Près de 3000 personnes sont descendues dans les rues de Montréal dimanche pour dénoncer le racisme et le nouveau gouvernement fraîchement élu de François Legault. Les manifestants ont dénoncé les mesures envisagées par la coalition Avenir Québec, l'interdiction du port de signes religieux pour les enseignants notamment. Tout le monde devrait être libre de porter ce qu'il veut dans ce pays. Plus largement, c'est toute une politique qui est pointée du doigt. Pour nous, ces mesures politiques sont racistes. Même si les dirigeants ne se considèrent pas racistes, leur politique l'est. Nous descendrons dans la rue tous les jours s'il le faut. Nous ne laisserons pas un gouvernement rendre des populations vulnérables à cause d'un programme populiste. Au total, une soixantaine d'organismes communautaires, d'associations et de syndicats ont participé à cette manifestation.